Venez par ici, messieurs. C'est beau. Incroyable. C'est beau. C'est très très beau. Voici Ernaès pour les 5 mois. Ah! Ok, on avance. On la fable flibustier. Flibustier. Je suppose qu'il va aller par là. J'aurais pu faire une phase de plateforme soit un peu plus dure. Je mets le bras zéro. J'ai mis le bras zéro. Et maintenant, que vais-je faire? Voici le Nartic pour le Prime. Ah là, il y a une grille. Il faut peut-être allumer d'autres bras zéro. Je mets le bras zéro. Je mets le bras zéro. Peut-être allumer d'autres bras zéro. De tout petits ronds. Ah non, ça s'ouvre. Ah ouais, coin d'arrêt. C'est ouvert. Non, ça s'est ouvert tout seul. Ah oh, putain, ça me rappelle quand on faisait We Were Here. Avec les ponts, la lune, machin. Alors là, il y a un truc à lever. Enfin non, j'ai pas l'impression qu'on puisse l'utiliser en fait. C'est un gouvernail, non, on peut pas... Non, on peut rien faire. Peut-être les tonneaux, y a rien. Non, y a rien ici. Y a rien ici. Alors ça va peut-être bastonner en bas, là. De quoi? Ouais, regardez s'il y a rien dans les coffres et trucs comme ça. Non, je crois qu'il y a rien dans les tonneaux et tout. Ah si, vieux cairn pour le sub-tier 2, merci beaucoup. Merci à toi. Ah, youhou. Il y a quelqu'un devant. Capitaine maudit. Capitaine maudit. Ça peut bien être. Et c'est... Avancez doucement pour l'effet dramatique. Oui, bien sûr. Mais il est où? Il est devant. Je sais pas où il est. Mais il est où? C'est là? Il est là. Où ça? Ah! Ici, là où je... Ah non? Attends. Non? Non. Ah, il est là-haut, il est au-dessus. Il est au-dessus? Mais où ça au-dessus? Il y a une ambiance dans le bar. Oui, il y a une ambiance dans le bar, oui. C'est trop cool. C'est dans la cage, il est? Ouais, il est dans la cage. Ah, yes! Il faut monter. Moi, j'ai envie de danser, moi! Là, ça se la donne, mais attends, on va aider ce pépère là qui est dans sa cage en haut. Je pense qu'on peut pas l'aider, hein. T'es sûr? Je pense qu'on peut pas l'aider, hein. Qui... Jure le clubbing là. Ah non, on peut pas. Enfin, jure le clubbing. Je pensais qu'on pouvait monter là-haut là. Y'a un truc brillant au-dessus là. Ah oui! Un truc brillant. Sur le. Attends. Merde. Sur le mât au-dessus, mais c'est juste. C'est un effet, je crois que c'est juste. Ah ouais, tu penses? Il y a le phare aussi. J'aurais pensé qu'on pouvait le passer au-dessus là par ce pont, tu vois qu'il y a une espèce de je suis pas du tout avec vous, hein, sachez-le, hein, juste. Hein. Ouais. Oh putain, je me suis bloqué. Ah mais on peut pas monter là. Si. Je suis pas du tout avec vous, les amis. Non, hein. Attends. Et si je. Non, ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Si, c'est ça, c'est forcément. Ça y est, on est tous séparés. C'est forcément. Je sais pas comment t'es arrivé le route. Et putain! Mais comment je peux monter? Ah, Seb. Je suis bloqué! T'es bloqué? J'ai beau nager entre deux cailloux, je suis bloqué! Merde! Ah! Ah yes! Mais c'est bon! Ça va, mec? Attends! Pardon? Ah, je peux pas faire une danse ou un truc! Merde! Oh là là! It's a pirate life for me! Tu veux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver. Bah. Je sais pas, j'ai peur de me bloquer aussi en fait si j'y vais. Moi aussi, ouais. Oh là là, mais merde! Qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as fait ça? Je sais pas, je voulais nager vers le phare en fait, mais. Oh là là, attends. Ah, grenade explosive peut-être! Attends, je vais te balancer une grenade explosive. Voilà, ouais. Comment je fais? Tu vas péter, ouais. Comme ça? Non? Ah! Non! Et là? Bah, je t'ai tué! Je suis mort, ouais, voilà! Bon, au moins! Mais je suis mort dans l'enfer des pirates, donc attends. Robert, son âme au passeur. Mais attends, tu vas passer par où là? Tu vas arriver où là? Ah, c'est bon! Je suis à l'entrée de la zone, ok. Ah, ok, voilà. Montez, bon sang! Ok, c'est par là. Non, mais je pense qu'il faut qu'on aille au bateau là-bas! Là où t'es, Fred? Vers là où t'es, Fred? Je pense qu'il faut qu'on y aille. Je cherche en fait, mais ça. Je pense que c'est forcément. Non, mais le bateau là-bas, c'est sûr, non? Bah, le chemin nous mène au bateau, hein. Ouais, c'est peut-être ça, en termes de level design, ce serait ça. Hein. Non, mais t'es Karim Seb. Je sais pas comment t'es arrivé là où t'es, en fait.
Karim, Seb, venez. Nous allons aller au bateau. Je suis monté en haut du bar, j'ai allumé une bougie, puis il y a des mecs qui me montrent une carte. Ah bon ? Ah, comment t'es monté ? Non, mais ça... Ah, non. Il y a des escaliers, en fait, il y a des planches de bois. Non, mais je pense pas que c'est par là, à mon avis. Viens là où je suis, venez là où je suis. Mais je peux pas activer grand-chose derrière, donc... Je pense que c'est forcément attends. Par là, en ah, fait. Ah, attends, si, je peux monter plus, si ! Lire le butin d'une vie, c'est quoi ça ? Attends, il... attends, Seb, il chope des trucs, là. Ah non, il faut le faire descendre, effectivement. Il faut le faire descendre, il dit il faut le grimper. Ah, mais pour grimper, mais c'est simple. Il faut le faire descendre, c'est sûr. Ah, mais il faut aller par là. Attendez. Comment on peut... Ah, attends, je crois que j'ai trouvé. Il faut aller par là, tout simplement, non ? Non, mais c'est forcément ce mât, là, ce mât cassé. Oui, bah attendez, je m'y rends, là. Je suis en train de m'y rendre. Attends. Dans les étoiles. Ok. Ah mais t'es là aussi, Karim. Putain, je cherche, j'arrive pas à trouver, c'est un ouf. Je capte pas comment monter en fait. Ouais, je capte pas non plus comment monter au-dessus. Hein. C'est évidemment mon chat de génie, il a évidemment trouvé à la frame 1 où les pixels sont apparus. Ok. Bon. Ouais, ils ont juste lui mépris. J'ai un chat d'ingénieur back to suite. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il n'écoute pas les consignes. Oh mon cul, hein. Donc ça va être forcément par là. Les consignes. Moi j'écoute les consignes. Tout autour, c'est ça. Est-ce que c'est... Il y a un truc à faire là, attends. On va passer en dessous. Laissez tomber sur le. Je fais pas trop là. Non, c'est pas là. Ah, mais attends. Non, j'ai peut-être trouvé, je pense. Faut faire le grand tour, je pense, hein. Par là où t'es, Karim. Mais c'est bizarre parce que par là-bas, bah du coup, attends Seb, t'as passé comment là? Parce que pour moi ça s'est bloqué, ça je peux pas passer, non je peux pas passer. Ah bon? Faudrait... Putain j'en sais rien quoi. Comment t'es passé par là Seb? Je suis passé à travers la carcasse du navire. Ah faut aller dedans. Et après j'ai nagé dans la flotte un petit peu. Ah ok. Et là je viens de prendre un ascenseur, attends. Attends-nous Seb. Comment, t'as par où t'es d'accord, passé? D'accord, voilà, j'ai compris, c'est que l'ascenseur, il y a un contrepoids, il faut être 4 pour monter. Donc faut que vous veniez vers moi. Voilà, venez vers moi, voilà. Oui. Je sais pas, non mais moi, je ne sais pas du tout où vous êtes, les gars. Ok. Non mais il faut que tu marches sur le mât. Je vois où t'es, tu vois le mât qui est au-dessus de toi, qui... Ouais. Qui veut la carte du navire à une autre. Si, je le joue pour les 7 mois. WizFR pour les 6 mois. Acerlations pour les 3 mois, merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ok, c'est pas ce là, d'accord. Putain, je me suis bugué. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un truc de ouf. Je suis allé sous un... Je suis allé dans l'eau, ça m'a bugué, ça m'a refait popper à côté de Fred. Bah tu peux lui montrer le chemin du coup. Ouais, c'est... mais je crois qu'il l'a compris. Ah mais moi aussi. C'est chelou hein. What the fuck les amis. Bah attendez, j'arrive. Attendez-moi. Merde. Je vous attends. Tout bugué, jeu de merde. Voilà, Fred est là, voilà, tu passes par la flotte, tu passes en dessous. Bah c'est bon, j'arrive. Hop. Il faut faire gaffe avec la flotte, du coup il y a des endroits où si tu vas, ouais. Tu meurs, tu repop. Ok. Ah oui d'accord, et là il y a un ascenseur, ok d'accord. Allez j'arrive. J'ai speedrunné le truc. Pourquoi faut être 4? Tu peux monter... Voilà, parce qu'il y a un contrepoint en fait. Tac. Bon je suis là. C'est bon, tout le monde est là? Oui. Tout le monde a activé la poulie? Enfin, oui. En Karim. Attends, je comprends pas comment faire. Utiliser la poulie. Ah, ça monte. On est 3 là. Mais non, on est 4. Mais non. Si. C'est bon, ça marche. Si. J'ai pas vu. Okay. Mais je comprends pas sur quel. Faut mettre des à-coups. Je crois que c'est des à-coups. Ah, ok. C'est énorme. Ok, en faisant ça, d'accord. Ça, c'est compliqué. Hein. Je ne comprends pas trop comment marche ce truc là. Mais j'appuie sur un peu les touches. Ah, vous voilà. Ok, c'est bon, on peut sauter. Ok. Clé requise pour déverrouiller, faut une clé ici. Ah. Faut une clé ici, hein. Ouais, exact. Exact. Faut monter ce truc là. J'ai l'impression, ouais, il y a une porte là. Je suis en train de le monter. Le colis, ouais. Je suis en train de monter le truc, va falloir sauter dessus dès que vous pouvez. Attendez, hein. Parce que là, va falloir que j'y aille aussi. À mon avis, si tu lâches, tu vas... Si tu dois y aller, je pense que tu peux lâcher safe. Ok, c'est bon. Oh putain. Ok, c'est bon. Okay. C'est bon. Là, il y a une autre poulie ici. C'est bon, vous êtes tous là? Oui. Ouais. À quoi sert cette poulie? Ah oui, ok. D'accord, ça fait... Ah, faut monter dessus.
Ça fait bouger un ascenseur. Il faut la mettre à mi-chemin. Il faut la mettre à mi-chemin pour que la personne qui la fasse bouger, alors, ce sera toi Fred, puisse sauter. Très logique. Ouais, je veux bien, mais... Ah, s'il y a quelqu'un en dessus, tu peux pas. Ah, c'est bon, ça bouge. C'est bon, je bouge. Putain, c'est... ok, c'est bizarre. Ah, mais il y en a une autre, là. Attends. Oui, il y en a une autre. Enfin, c'est pas rapide, hein. Qui bouge. Mais aussi, comment ça marche je... Ah, ah voilà. En fait, c'est bas, il faut pas faire droite, il faut faire bas. Ok. Ok, donc là, je la mets comme ça, c'est ça? Ouais, ouais, voilà, comme ça. Comme, voilà. Ah ouais. Ok. Ah ouais, c'est cool. C'est bon? Allez. Okay. Oh là là, tout ça pour sauver ce tocard, là, mais aussi, tu te mets dans des situations, toi, mon gars. Ah, c'est quoi, il y a une poule ici. Attends. C'est peut-être pour le retour. Ah, regarde, attendez, il y a un truc en bas. Il y a un truc qui brille là-bas, ouais. Il y a un truc qui brille. Ah, ouais. C'est peut-être la clé de la porte là-bas? Oui, probablement, mais c'est fermé. Ouais, c'est fermé. Actionner la poulie, justement. Peut-être qu'il faut aller... Peut-être que ça va activer... Ça va trigger un event quand on va s'approcher de... Vas-y, fais la poulie. Ouais. Ça fait quoi? Ah non, ça bouge les trucs, là. C'est les plateformes, en fait. Ouais, c'est les plateformes. Ok. D'accord. Mais là-bas, j'ai peur de tomber en dessous, en fait. Comment, là? Je peux sauter par-dessus? Putain, c'est casse-gueule, là. Tu veux le faire, si tu tombes, tu fais tout. Allez, je vous laisse faire. Mais... Bon, ça, c'est très bien, mais... Faites descendre ma cage très doucement. Tu vois une poulie ou quelque chose comme ça? Non, je vois rien. Non, y a rien. Y a rien autour de faire moi. Faire descendre sa cage, d'accord. Donc je vois les cordes. Ah bah, elle est un peu coupée en fait. Tu vois? Tu veux pas? Ah, il faut essayer de la couper. Ouais. Non, je pense pas que ça marche comme ça. Moi, hein. J'ai que des flingues, moi. Si, c'est quoi? Ça. Voilà. Oula. Là, voilà. Comment il est tombé? Je l'ai tué. Non. Non, il est maudit. Il peut pas mourir. Sinon. Il est complètement maudit. Maudit. Ah, et du coup, pour revenir, ça, c'est en fait, c'est un raccourci pour pas se retaper toutes les plateformes, c'est ça que ça veut dire? Bah, tu peux juste descendre, après, tu peux juste sauter en bas, en vrai, pour y aller, je pense, hein. Je pense que tu peux juste sauter. Les plateformes à mi-chemin. Et on n'est pas obligé de reprendre les plateformes, hein. Oui, je pense qu'on peut sauter. Bah, si on revient pour prendre le trésor, peut-être. Mais ouais, mais sauf que je vois pas, je sais pas où est la clé, je pense qu'elle est là-dedans, mais je sais pas comment on fait pour y accéder. C'est bon, je suis en bas. Mais par contre, il faut une clé, effectivement. Il faut une clé? Il faut une clé pour sortir le crâne qui ne peut visiblement pas passer entre les barreaux qui font 8 fois sa taille. Ah, il est en train de parler. La clé de ma cage. Et pour moi, il y a un truc là-dedans, hein, mais je sais pas comment on fait pour l'ouvrir. On va trouver son équipage mutiné. Ok, je vais aller voir par là. Hein. Mon équipage ne perdait jamais la clé de vue. Ils l'ont probablement prise pour célébrer leur traîtrise. C'est les sales cafards. Mais c'était pas le truc brillant qui avait. Et vous trouverez ma liberté. Ah, il y avait une taverne. Mais oui, non, mais surtout, voilà, il y avait le truc brillant en fait au-dessus. Je sais où elle est la clé. Il y a un truc brillant dans la taverne justement. Oui, au... oui. Ah, c'est peut-être la carte au trésor que j'ai vue. C'est peut-être ça qu'ils indiquent. Ah, mais c'est pas le resto de Pirates des Caraïbes justement. Il s'appelle The Last Stand. Ok, c'est ça. Ah, peut-être. Oui, le truc brillant là. C'est voilà, fais-le descendre. Voilà. C'est la croix là, d'accord. T'as pris la clé? La clé. Ok, ouais, retournons voir le mec. Ok, bon, ok. Mais qu'est-ce que vient faire Hades de là-dedans? Ok. Vous êtes là? Oui, oui. Allez, j'ouvre. Let's gong. Eh bah t'as l'air malin toi. On devra te porter. Le porter. D'accord. Ah faut le porter. Oui il faut le porter. Qui se dévoue pour le porter? Bah vas-y je vais le prendre si tu veux. Ouais. Et maintenant. Ok. Et oui c'est la tête qu'il y a au début de l'attraction effectivement. Ah c'est Fort Boyard. Hein. Vivement le patch Fort Boyard d'ailleurs. Ouais. Ou c'est Perforas qui donne des quêtes. Vous les Ah, faut aller au vieux phare. Ah, faut aller au phare. Donc, passons. Ok. Ne passez pas par là. Là où j'ai glitché. Bah, on va passer par le chemin, tout simplement. Bah, par là. Hein. Ouais, c'est par là. Bah c'est à droite, c'est hein. Non, c'est lui, mais c'est là. C'est une éclipse ou un truc De quoi? Ouais, c'est une éclipse. Ah oui, j'avais pas vu. Ah oui, faut activer le pont. J'ai peut-être plus la moitié, mais je peux encore ficher la trouille. Attends, il y a peut-être moyen... Il faut peut-être que j'allume un bras zéro à gauche ou un truc comme ça. Je vais voir ça tout de suite, les amis.
Je ne sais pas où allumer le truc. Hein. Ah, c'est bon. Ah ben voilà. C'est bon, bon. Fallait faire quoi? C'est bon. Il n'y avait rien à faire. Il y a des fantômes qui l'ont activé de l'autre côté. Le script se lance. Ah oui, d'accord, putain. C'est ça. C'est ce genre de quête. Non, on va être piégeux. Attendez-moi. On t'attend. The Lighthouse. Est-ce que vous avez vu The Lighthouse? Non. C'est plutôt sympa. Non. Ah non. Quand je regarde s'il n'y a pas les trucs en dessous. Pas très intéressant ici. Ok. Le script est en très lent. Ah oui, d'accord. Effectivement. Vous passez par l'extérieur, je pense, là. C'est le chemin. Par l'extérieur. Par l'extérieur. Ouais. Ouais. Tranquille, tranquille, tranquille. C'est un peu gerbotron, mais... C'est très joli. C'est vraiment charmant. Hop. Ouais, c'est cool. Tac, 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 tac. Prendre l'échelle. Ah, il y a un bouquin, là. Lire étrange et pourtant familier. Qu'est-ce que c'est? Alors que je pensais... Ah, mais moi j'ai un autre texte, là j'ai un texte, attendez. Alors que je pensais être... Ouais mais là il parle en même temps. Je crois que c'est pas très ouf. Clique dessus à toute vitesse pour avoir le succès. Bah, c'est ça qui est marqué. Ouais. Faut prendre la... Ah bah ça blablate, hein, putain. Okay. Ouais, ça blablate, hein. Il faut mettre sa tronche sur un truc, c'est ça? Je pense qu'il faut la mettre au milieu, non? Mais je vais regarder... Putain, je vais là, ouais, Capitaine Motiroki, ici, il faut la mettre à la tête. Où ça? Là où je suis. Ah, là où t'es? Ah. Entre les gouvernails ou... Ah, oui. Ah oui, sur son corps. Non, c'est un nouveau corps, c'est pas lui, mais... C'est juste comme sailing a sloop. You never forget how. Now, let's see if we can't find some clue as to set this place ablaze once more. First, see if you can light the brazier with that fancy flame of yours. Calme-toi, le feu n'arrive. Lighting up the town is all well and good, but you'll need to point your flame out to sea. Ah, il va falloir bouger le miroir au-dessus. D'accord. Parce que là, t'as un miroir. Oh. Attends. Alors là, il y a un truc ici. Attends. Alors, oh. Peut-être... Penche... Faut... Attends, penche... Attends, j'allume déjà la lanterne. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. En fait, il y en a un qui contrôle la direction et l'autre qui contrôle l'élévation. Est-ce que je peux faire genre ma silhouette? Non, je peux pas faire des ombres chinoises, c'est dommage. Ah, dommage, oui. Il faut la mettre où? Par là où il l'avait montré, non? Non, je suis dessus. T'as comment on fait après? Il faut appuyer sur... Mais appelle Batman. Appelle Batman immédiatement. Non mais en vrai, voilà, moi je contrôle pas la gauche et la droite, je contrôle que le haut et le bas là. Ah attends, il faut pas allumer les bras zéro, regarde. Horizontal. Oui, allume les bras zéro là. N'essayez pas de changer. Voilà. Ah, oui, ça marche, il y en a un autre au-dessus. N'oubliez un en haut. Voilà. Oui. Voilà. Les clandestins maudits. Rire de droite. Ah, c'est Marc pour les 3 mois. Non, c'était pas du tout ça, le crâne dans le ciel. Ouais, y'a un navire qui arrive. C'est le Black Pearl. Est-ce que c'est la perle noire? C'est la perle noire. C'est le vaisseau des damnés. Plutôt le Flying Dutchman. Oh, tu connais bien le lore. Rire de droite. Ah si, 16-16 pour essayer de faire un Shadow 96. 87, pardon. Non, remarque, il a des voiles noires, donc c'est peut-être le Black Pearl. Il y a de la lumière bizarre dessus là. Il y a une licorne noire. La clé de ma cabine. Il cherche la clé de sa cabine. Le gardien me l'a prise quand il me l'a balancé et qu'ils s'en sont pris à moi. Oh putain, faut le reporter. Faut aller au navire. Okay. Tu veux le reprendre ou je le prends? Ah, dirigez-vous vers le navire avec les voiles rouges. C'est celui qu'on voyait en bas. Ouais. Je me souviens de ce navire avec les voiles rouges. Tu veux que je le prenne? Ouais, on est obligé de tout descendre. Comment on le prend? Si tu veux le prendre, vas-y. Je sais pas comment on fait pour le prendre. Ah voilà. C'est bon, je l'ai. Ou pas, si je... Mais faut redescendre. Allez, c'est parti.
Tac, 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 tac. Les gongs, les gongs, les gongs. Du coup, là, faut aller au bateau rouge, là. Le bateau rouge. Bateau rouge. Le bateau rouge. Qui ressemble effectivement à un quartier de la Nouvelle-Orléans. Bateau rouge qui est une ville, là. C'est une ville. Ok. J'avoue, il a le X de Xbox dans le... La clé, c'est vraiment le X de Xbox qu'il a dans la bouche. Ah, ça s'ouvre. C'est un peu très scripté quand même cette quête, on va pas se lancer, c'est un peu genre... À peine, mais... le début est vraiment comme ça, mais après ça... On m'a dit ça, effectivement, la première quête est lente et tout, mais après c'est vraiment cool. Le fun commence vraiment après. Ouais, le fun est imminent, vraiment. Je place le capitaine maudit. Oh, moi j'aime bien le côté scripté aussi, je trouve ça... Non, mais j'aime bien aussi. Oui, oui, mais ça, c'est parce que justement, tu es fan d'attraction, Sébastien. Ok. Ah, ça a été annoncé. Ah. Ça a été annoncé, ça y est. L'escalier ici. Très joli. Galion. Je pense qu'il faut passer par là. Ouais, il y a une échelle à prendre ici. Tac. Donc, il faut choper une clé, je pense, encore. J'imagine. Attendez, je monte tout en haut. Ah, ça a été... Ah, bon. Non, il faut choper la Capitaine clé, je pense. Maudit Rocky, il faut reprendre sa tête. Ah merde, faut reprendre sa tête. Pour reprendre sa tête, il faut le faire voyager. Ah merde, j'ai pas repris la tête. Eh, hey, il y a un bouquin ici. Putain, il faut retourner Extraction des Feux par le Capitaine de Maudit. Tous les traîtres. C'est très très beau. J'aime bien. Oui, tout à fait. Je ferai le Quad 9 Docteur de DFG dans deux jours. En gros, il faut la tête du pirate, par contre. Ça va être très cool. Il vient de l'annoncer sur Twitter, du coup, je peux le dire. J'ai de faire, à mon avis, un... T'es parti, Antoine? Ça va être très nice. De quoi, pardon? T'es parti récupérer la tête du pirate? Non, pas du tout. Ah, mais c'était à moi d'y aller. Pardon. J'y vais. Non, c'était pas à toi d'y aller. Je demandais... J'y vais. Je sais plus où est-ce que c'est. Mais c'est resté dans... au rond du phare? Non, je l'avais... Non, il est en bas, devant la porte. Ah oui, d'accord. C'est bon, je l'ai, j'ai la tête. Merci Ragouneuf, pour les deux mois. Rêverie pour le Prime, merci beaucoup. C'est bon, je remonte avec lui, hein. Je remonte, j'arrive. J'arrive, les amis. C'est pareil. C'est dommage que nos persos courent tout le temps, en fait, tu vois. Oh. Non, ça me dérange pas. C'est le genre de truc, presque, que t'as envie de le faire en marchant ou en trottinant, quoi. Sorry. Ah, une petite... Bah tu peux... contrôle, hein. Tu peux appuyer sur contrôle. Non, moi, contrôle, ça fait rien. Hop là, c'est bon, je l'ai placé. Merci, Docteur Henri Castafol, pour les 6 mois. Daiken Zoli, 17 mois. Et le train de live, bien sûr, merci beaucoup. Rire de droite. For here is where we be parting ways. There's a rowboat over yonder that'll carry... Une chaloupe là-bas qui vous emmènera jusqu'au vaisseau des damnés aussi discrètement qu'une petite souris. Prendre une chaloupe. Ça fout la frousse. Ça fout la frousse. Perhaps one day we'll meet again. Now take the key and be off with ye, before ye find yourself trapped here for good. Du coup, faut aller où? Prendre la clé. Ah, t'as pris la clé? Bon, j'ai la clé. T'as pris la clé? Bon, bah, vas-y. Merci, Capitaine Maudit! Merci, Capitaine Maudit! The treasure won't curse me. Ah, des montagnes d'or. Est-ce qu'on va en prendre? Zéro. Mais par contre, on va monter dans cette chaloupe. Montons dans cette chaloupe. Je m'assois dans la chaloupe. Oh merde! Wow! Venez dans la chaloupe. Ah! Venez dans la chaloupe! J'arrive dans la chaloupe. Tony Chaloupe. Chaloupe magique. Venez dans la chaloupe! Merci Alice pour les 4 mois. Wizardman, l'année. Moteur Alsacien, les 150 bits. Il laissera le Prime. Allez, monte, espèce de sac à merde! Ok, Vincent, le restaurant. Salut, toi. Allez. Merci, Bébé Lito, pour le Prime. Allez, Seb, courage. Seb, c'est bon?
Ah. Tu lui as fait une feinte. Attends, je la détache. Oui, dans les airs. T'es où? Ah. Mais attends, mais... Ça marche pas, attends. Ah. Voilà. Assieds-toi. Formidable. Vas-y. Allez, rame maintenant. Maintenant, rame. Mais merde. Allez. Mais non. Non, je voulais chanter une chanson, moi. Vas-y. Rame. C'est quoi les contrôles, parce que... Ah non, faire gauche-droite, ah oui, ok, comme les vrais. Okay. Je sais pas où est-ce qu'il faut que t'ailles par contre. C'est pas comme ça qu'on ramasse. Mais moi non plus, hein. Non, mais les deux en même temps. Indiquez-moi parce que moi je sais pas où je vais, hein. Bah, je sais pas où tu dois aller. Où est-ce qu'on va aller d'abord. Bah, je sais pas. Allez, go. Allez, t'y vas, hein. Pour une aventure. Mais putain, faut aller où? Je tourne la tête. Gauche-droite, attends, c'est là où il y a le... Ah, le gros bateau là-bas, je crois. À gauche. Enfin, à ta droite. Ouais. Ah, c'est... Okay. Non, c'est à ta gauche. Mais non, c'est à sa droite. Oui, c'est à ta droite. Oui. Ok, allez. Ok. Encore un peu à droite. Encore à droite, là, t'es à gauche. Ah, voilà. Ouais. Voilà, et maintenant, encore. Tout droit. Un tout petit peu à gauche. Un tout petit peu à ta gauche. Ouais. Voilà, parfait. Stop. C'est bon. Voilà. Merci Siri The Evil Meo pour les 3 mois, merci beaucoup. Calme. Attends, est-ce que je maintiens dans... À gauche, allez. À ta droite. Cocher. À ta droite. Non, ça c'est à gauche. Allez, regarde, il y a un fantôme qui arrive. Ah oui, il y a un fantôme qui arrive. Il y a plein de fantômes. Attention. Stop. C'est bon, c'est l'esprit est là. C'est bien. Tu vas bien. Il y a une corde. Merci ou pas Mister Bob, pour ici moi. Ah la corde, c'était de l'autre côté visiblement, mais... L'autre côté en fait. C'est pas grave, allez, on y va. Petit personnel. Il y a pas d'échelle. Bah... Je peux faire la guitare sous l'eau. Ah non, je pense qu'il fallait pas aller dans l'eau, hein. Ah, il faut... Attends, non, il faut mettre la chaloupe à l'arrière. Ah oui. Pour monter. Il faut l'amarrer, bien sûr, tout à fait. On a fait un petit... On voulait regarder les alentours du bateau. C'est bon, laissez-moi. Je reviens, je m'occupe de la chaloupe. Je suis sur la chaloupe avec toi. Voilà. Allez. Tu veux ramer? Moi? Non. Si? Oh, vas-y, je rame. Vas-y, non, je le fais, je le fais. Allumer la lanterne? Ouais, voilà, je l'allume. Voilà, comme ça, c'est plus drama. Ah! Non, c'est de l'autre côté. Putain, j'ai popé, tu m'as écrasé? J'ai popé sur le navire. Ah, t'as popé sur le navire? Sur le navire? Ouais. Mais reste-y. Ah ouais, t'es dedans. Salut les gars, vous partez là. Du coup, on s'en va. Mais non, mais je suis en train de faire un demi-tour. Ah d'accord. Je suis en train de faire un demi-tour. Je suis bien avec mes potes fantômes, on est bien. C'est cool. Alors sachez qu'il y a un coffre sur le petit bateau et il y a des trucs à manger et des planches si vous voulez. Ah oui. Ah, j'y arrive. Allez. Pas. C'est à ta droite. Bah oui, mais j'arrive pas. Je... Yeah. Putain, j'y arrive mais pas. Mais c'est de l'autre côté. Mais oui, mais je... Je n'y arrive pas. C'est super chiant. Ah mais ben voilà, c'est critique, mais... Attends. On t'a jamais critiqué. On t'a jamais critiqué, hein. Joyeux anniversaire. Ok, vous me dites. C'est bien, là? C'est là. Allez, c'est bon. R. Amarré. R, vite. Voilà. C'est bon. Téléportable. Voilà. Joyeux anniversaire. Pas par là. Hein. C'est là. Comment? De l'autre côté. C'est l'anniversaire de qui? Il y a le passeur. Oh non, la flamme maudite. La flamme maudite. Il y a de la bouffe, j'en ai déjà plein. Il y a des vivres. On peut utiliser les canons, ça peut être servir. J'en balde d'aquin pour les 11 mois. Et maintenant? Où es-tu, passeur? Wow, c'est beau! Oh, c'est beau! Oula! Ah, il y a une porte qui s'est ouverte en bas où il y a Karim. Ouais, ouverte de sarcophage. Il y a plein de crânes. Merde. Ah oui. Je l'ai refermé. Merci Hugues pour le prime. Max Ziegler, le prime également. Des morts. Des maudits! Si, bon, faut juste allumer une suite de. De torches. Hop là, c'est bon, j'ai ouvert l'autre porte. Passeur, hein. Ouais. Putain, Fred, Seb, venez. Boulet de canon. Fred, Seb, venez. Attends, Karim, on va ouais, trop loin sans eux. Il y a plein de boulets de canon, il va peut-être y avoir de la baston. Ouais, moi je suis fou là.
Wow. Il est là. Il est là? Je vois pas. Jack Sparrow. Il est là. Oh, Jack Sparrow. Faut prendre les clés au chien là. J'ai pris la clé au chien. Oh, je caresse le chien. Oui, MCA. Je caresse le petit chien. C'est pas Johnny Depp, mais c'est un sosie vocal. C'est Ganesh 2 qui le double dans le jeu. C'est Ganesh. Allez, c'est parti. Des fois, il part en même enflon, on sait pas pourquoi, mais... J'ai mis la clé et j'ai ouvert à Jack Sparrow. Oh là là, oh là là. Jack, je t'adore, j'adore. On a Jack Sparrow dans le crew, putain. J'adore ta femme qui joue dans Aquaman. On l'écoute même pas. I'm Captain Jack Sparrow. Though, since you came here to rescue me... Bah, surtout qu'on a vu les films. Ça va, elle ressemble un peu quand même. Ce que j'ai dit n'a aucun sens. Est-ce que quelqu'un fait l'accent tout le temps? L'accent? J'ai vu beaucoup de roms. Oh, il marche, regardez. Ah, il a la démarche de Jack Sparrow. Oh là là. Ah ouais, ils ont fait la démarche. Oh, regardez, je suis... Oh, il a disparu. Oh, il a clippé. Il a des pop. Jack Sparrow a des pop. Je comprends pas, ça. Oh là là. Téléportation n'a aucun sens. Il est où? Ah, il est là. This clipping is just nonsense, man. Mais non, Jack, sois pas méchant avec toi-même. Et il nous faut de la mescaline pour aller à Las Vegas. Ah. Il mélange tous ces personnages. C'est tellement cool. Et maintenant? Il arrive pas à souffler sur la bougie. Allez, ici, il s'est payé les chauves-souris. Il fait un truc typique de Jack Sparrow, il souffle, mais en fait, ça s'est pas éteint, et du coup, après, il a touché avec les doigts. Ah bah après... J'aurais une trouée. En vrai, c'est plutôt fidèle. Booming, cannonballing sort of noise. Boom. A cannonball. Boom. Ok, faut monter. C'est Return of the Obradi, non? The scenery is not very inspiring, but it's good to stretch my legs. Ah ouais, un peu. J'adore ce jeu. Return of the Obradi, là aussi, incroyable. Mais j'ai brûlé les BO sur le dernier JDG. Ah. Oui. Parce que j'adore la BO, elle est fantastique. Une sorte terrible menace à présent l'essence même de Sea of Thieves. Il a aussi dans le film, sur le côté gauche de, sa, de son visage, là, j'ai jamais su ce que c'était. Ah oui. Et je pense que vous pouvez overreacting just a smidge. I know the true worth of what I possess, and I intend to keep it quite safe. Now, I can see you're very busy and very grumpy. Pour le trivia, c'est lui qui fait aussi la voix de Jack Sparrow dans Kingdom Hearts 3. Mmh. Voilà. Nous sommes piégés dans un script. Oula! Ah! Oula là! Le Hollandais volant! Oh là là! Oh là là! Attends, il va nous tirer dessus? Non, t'inquiète. Chaque fois au Simpson, je pense au Frying Dutchman. Bourrez les canons! Chacun sur un canon! Bourrez les canons! Ah non, je peux pas utiliser. Personne ne se rappelle du Frying Dutchman? C'était Maxon pour les 100 bits. Dans quoi? Ouais, il me donne les 3 mois. Ah non. C'est là où le capitaine, c'est le resto du capitaine. Ah oui. Le Frying Dutchman. Frying Dutchman, bien sûr. Les canons sont prêts. Mettez-vous chacun sur un canon. C'est moi. Bah non, je pense pas, mais je pense qu'il va falloir y aller. Bah attendez, attendez, arrêtez de dire au secours. Mais c'est... Mais attendez. Mon personnage panique qui va écrire au secours. Au secours, au secours. Arrêtez de dire au secours. Ah c'est parti, on peut. Ah c'est bon. Ah voilà. J'ai pas chargé. Ah c'est bon, j'ai chargé. Let's gong. Ah c'est bon. Mettez la musique enfin. Ah hop là. Ta mère le Hollandais volant. Oh hop là. Pile dans le script, bim. Voilà. Oh, il revient. Mais ce n'est pas possible. Jack Sparrow. Je peux pas encore tirer. Je vais bientôt pouvoir.
Let's go. Ah, il faut que je recharge les boulets. Ah non, je peux même pas. God damn. Allez, pendant le script, la glue. Non, je pense à la glue. Tiens, dans ton script, prends ça. Et est-ce que les boulets ils sont dans la cave aussi ou pas? Oui. Oui, il y en a dans la cave, ouais. Il y en a plein. Il y en a plein. Ok, 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 on continue. Let's gong. Oi! Oi, mate! Oh, oh, et laisse-moi recharger, flibustier, va! Bon, allez, il faut le défoncer, là. Ils ont jamais le temps d'écoper, ça! Fuyez? Comment ça, fuyez? Mais non, je veux pas fuir. Ok, là, il va dans l'eau, mais il va revenir, hein. Ouais, mais on va l'éclater. On va l'éclater 500 fois. Ouais, tranquille, tranquille, tranquille. Ce sera pas pire que ce qu'on a fait la dernière fois. Hein. Ah, j'ai l'impression que les boulets de canon sont infinis. De l'autre côté! De l'autre côté, de l'autre côté! De l'autre côté! J'ai eu la piraterie, bordel de merde. Oh là là, plus de boulets! J'ai plus de boulets! Ah merde, j'ai plus de boulets! Visez! Oh! Visez sous la ligne de flottaison! Bah, c'est ce que je fais! Merde, j'ai plus de boulets, si. Prends ça, Orlando Bloom! Orlando Bloom. Tiens. Oh, je lag de ouf. Ça va, ça lag pas ici. Ouais, le chat. Non, bah ça lag pas du tout. Je pense, Karine, que ton jeu est en 4K, à mon avis. J'en sais rien, mais là, c'est pas jouable. Ah ouais, merde. Relou. Vérifie dans tes paramètres ta paramètre graphique, là, comment s'appelle, la résolution de ton jeu. Dans ma bonne résolution, je suis à 920x200, c'est mon écran. C'est dès qu'il y a des explosions et des trucs comme ça. Il aime pas. Oh là là, mais on le défonce! Il nous rattrape, quoi? Non. Oui, mais vraiment, le nombre de boulets de canon est infini, hein, vraiment. J'ai l'impression, ouais. Oui, oui, complètement. Bien sûr, moi je vais les récupérer et je recharge à chaque fois. Merci Valkodis, ouais 9 mois. Votre, pour B1 Kenobi pour le Prime. Attention à vos PV. Oui, t'inquiète. Ouais, faites gaffe, bouffez des trucs, des bananes. Oui. Normalement, c'est bon. Il est devant nous pour l'instant. Il est hors de portée. Ils veulent aborder, défendez le navire, sinon tout est perdu. Ils vont aborder. Ah. Préparez le corps à corps. Ah oui, putain, est-ce qu'il y a une mallette de munitions quelque part? Je pense qu'il y en a en dessous. En bas, en dessous là. Prenez mon épée. Une armoire quelque part. Il a lancé son épée. Ah non, c'est Jack Sparrow qui a pris l'épée. Ah, mais on se bat avec Jack Sparrow. Ah, mais non, Jack Sparrow. Jack Sparrow a disparu. Sparrow. Ok, parti. Butez ces merdes. Oh putain, c'est attention, c'est empoisonné. Ah ouais, c'est ils sont empoisonnés. Attention, ils explosent quand ils meurent. Wow. Eux, ils sont électriques. Oulala. Oh là là. Mais arrêtez, mais enfin. Je l'ai explosé là. Derrière. Un mermaid. Sirena, arrête. Ah non, mais putain, arrêtez, mais où est-ce. Il est où le truc de munitions? Ah, pareil, moi aussi je suis à sec. Ah non. Je cherche. Ah, c'est l'enfer dans la cale. C'est où? Mais bouge, l'IDG. Mais. Ah putain, je me bats au sniper, putain, ça n'a aucun sens. C'est incompréhensible. Voilà, sous le mât, c'est sous le mât. Sous le mât, la caisse de munitions, sous le mât. Ah, sous le mât. Sous le mât. Lequel? Sous le mât, c'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile. Et j'ai... C'est Garou l'intermittent. Au secours, banana. Ok. J'ai plus de munitions qu'en lise de crise de pogne. Y'a des gros... Oh, y'a un strumon énorme là. Ouh là là, on n'a plus de munitions. C'est où l'émission? Là, sous le mât. Mais c'est sous le... Oh putain, faut que je mange, faut que je mange. Je mange une banane. Rapidos. Je meurs, mais je reviens. Ah, t'es mort? Oh non. Ouais. C'est pas grave. Montre-toi, connard. Montre-toi, connard. Prends ça, connard. Alors, attention, les crabes, ils explosent au cac. Attention, lui, il est mort, le gros. Voilà. Je te raise, Archimède Kebab. Raise-moi. Je te raise. Il est dead encore. Tu es une merveille en forme de plein. Merci beaucoup. Faites attention, alors les gros crabes, les très gros crabes, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils explosent au cac. Ouh là là. Je pense qu'il va falloir rebombarder le Hollandais volant. Il est reparti sous l'eau. Okay. Bien foutu, les potes. Est-ce que
que Jack Sparrow nous attend, Alexa, finalement? Il est où, le Hollandais? Il arrive! Goal bombardé! Il faut qu'il y en ait deux qui bombardent et deux qui restent sur le pont à se défendre contre les monstres. Je reste sur le pont à défendre. Moi, je bombarde. Ah non! Je en fait, non, c'est juste. Tout le monde bombarde, mais en fait, c'est Jack Sparrow qui se bat. Au lieu de charger, bombardement! Bombarde. Jack Sparrow se bat! Ah, je ne bombarde plus! Jacques Moineau, Jacques Moineau! C'est un échec! C'est Jacques Moineau qui se bat! Bim! Ah, heureusement, il y a Jack! Oui, il y a Jack Sparrow, je vous le dis! Jacques Moineau se bat! Je vais t'aider, Jack! Non, ça sert à rien, tu peux pas toucher le monstre! Ah non, c'est un script! C'est un script! C'est... Oh là là! Ah, par contre, là, c'est pas un script, ça! Ah! Oh, y'a... Aïe, aïe, aïe! C'est pour mal, quoi. Bitch! Putain, le Hollandais volant en face, je m'occupe de lui. Défendez-moi pendant que je lui tire dessus! Ah là là, ouh là là! Mais putain, mais je vais crever, y'a pas de la bouffe en rab! Au secours! Y'en a en bas, y'a des tonneaux. Ouais. Y'a des tonneaux de bouffe en bas! Ah putain, mais vas-y! Oui, oui, des bananes. Vas-y. Le snipe, putain, la souris. Jack! Alors, c'est cool parce que c'est pas vraiment des versions de DMCA de musique. Il sort un truc. Jack ou pas? Moi je l'aide, hein! Je crois que ça sert à rien d'aider Jack. Ça veut dire que quand on voudra faire un JDG spécial pirate, on pourra utiliser ces musiques-là. Ah! Quel plaisir. Pirater la piraterie. C'est le Hollandais volant! Ok. Arrête de dire au secours, Seb. Arrête de paniquer, Seb. C'est Seb qui dit au secours en boucle. C'est vrai que c'est stressant. Des bananes en plus, je l'en oum pour oum. Ah! Ah non, mais j'ai plus de boulettes canon là! Aïe! Aïe! Mais putain! Laissez-moi prendre mes boulets! Au secours! Non, mais c'est fou, attends, faut soulager. Ah putain! Jack Sparrow! Heureusement qu'on a pas à écoper cette merde, hein. Soulager Jack Sparrow. J'ai une grave envie de soulager Jack Sparrow là. Vite, faut soulager Jack Sparrow. Ok, le Hollandais volant, plutôt more like le Hollandais coulant, am I right? Am I right, guys? Allez. Wow, guys! Ok, c'est bon. Attends, tac. Là, il revient. He's back in the US. Non, c'est un script, je me bats contre une cinématique, putain. Mais oui, putain, on te dit ça depuis tout à l'heure! T'as pas besoin de soulager Jack. Attention, oui. Attention, ennemi. Je lui ai braqué ma banane. Prends ça. Ah, reviens. Ah, merde, on coule. Nom du pipe. Ah, putain, il fait mal, ce con. Attends. Le Flying Dutchman. Le Flying Dutchman. Mais pourquoi il a pas... Is the Flying Dutchman? Yes, ouais. No. Alright. Mais t'es indien? C'est quoi ça? Putain, mais c'est lui, mais non, c'est notre navire ça! C'est quoi, c'est qui cette merde? Mais non, mais tape dessus juste! Tu nous la paix, toi! Mais. Tu pourrais quand même te dire que c'est ta daronne, mais putain, mais. Mais jamais il coule! Ah, il est revenu le bâtard! C'est ça le bâtard? Voilà, c'est un script ou pas ça? Oh putain, non, c'est pas un script! Ah voilà, attention, okay, il va péter. Il va péter. Voilà. Elle a pété. Non, Jack, il est reparti en script. Léo The Prout, hein, comme on dit. Non, au secours, au secours. Au secours, il a... Il arrête pas de dire au secours. Mais oui, t'es stressant, Seb, arrête ça. Débind. Voilà, t'as besoin qu'on te soulage, voilà, Jack. La banane, voilà. On n'enlève pas la peau, on avale tout de go. C'est beau, ça. C'est bon, un monde qui joue. Le trésor, il s'est volatilisé. A dit Jack Sparrow. Oh, il est un merde. Nani. Non, ça marche pas. Je peux pas le soulager. Un putain de merde. Je peux pas soulager Jack. Ah si, il s'est soulagé tout seul. Peut-être que si on s'y met à 4, ça marchera. Ouais, peut-être. Non, c'est bon. Cap sur le trésor. Je lui ai donné ma parole. Faut aller sur le trésor. A dit Jack Sparrow. Sur le trésor. Et il est où, le trésor? Mais je... Bah, mec, je pense que c'est la suite de la fable. Il était au fond. Oh là là! Oh là 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 là! Oh là là là, tout ce canon! On nous avait prévenu, la piraterie n'est jamais finie. C'est jamais fini. Ah, je peux me recharger, c'est le script! Quoi? Si, moi c'est bon. On s'est fait scripter! Mais si, c'est bon, je peux recharger moi. Non! Bah si. Ah non, script. Moi je peux recharger aussi. Si. Arrête de dire attention!
Oulala. Ah, le Kraken. Eux sur la caisse de munitions, il veut pas. Ah d'accord. Ça, c'était le Kraken, souvenez-vous du deuxième film. Ah putain, non. Et le thème du Kraken en plus. Qu'est-ce qui se passe? On a jeté l'encre, je crois. Ah non? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais il y a eu un bruit de jetage d'encre en fait. Ah, c'est bon, il y a un fantôme qui est revenu à la barre. Où est Jack Sparrow? Il a toujours été là, il a toujours été là. Oui, Sparrow, il a toujours été là, le fantôme. Oh, non. Le passeur. Ah non, il est pas. Je sais pas, mec. Oui, bah. Et l'assurance, les travaux, la peinture. Foiré. Ah, il est mort! Bah oui, c'est pour ça qu'il arrêtait pas de dépoper. L'homme qui fait des passes. On s'est bien battu, là. On se script. Ah, okay. Du coup, là, c'est la fin de la fable 1, si je dis pas de bêtises. Et à partir de la fable 2, là, il y a vraiment, ça ressemble un peu plus à ce qu'on a déjà connu, je pense. Moi, j'aime bien quand il y a des énigmes. Ouais, moi aussi. J'aime bien réfléchir. Ouais. Vous avez bien fait de semblant vous battre. C'était beau. On s'est bien battu, en vrai. C'est vrai. Arrête. C'est vrai. On a vraiment défoncé le script. Voilà. Ah, vous allez en avoir. Ça, ça fait plaisir. Vive la piraterie. Vive la piraterie. Petit succès Xbox Game Bar. Il faut prendre la porte en dessous, les amis. Bon, La porte en dessous. À la porte en dessous, oui. Ouais. C'est parti. Ah, bah, oui, tu l'as chargé pour nous. Ah, d'accord. Très sympa. Ah. Nous revoici sur notre bateau. Eh bah, super. Ah, avec un navire juste à côté. Ouais, mais on va pas, on les défonce pas. Laissons-les tranquilles. Je pense qu'il faut pas prendre la barre. C'est pas des gens, ça. Non, bah, non. Kevin Kett dans le. Où ça? La cabine du. Même si je meurs d'envie de leur tirer dessus pour voir, mais. Non, je pense pas. Non, si. Il y en a plein. Il y a une quête ici? Non, il y a pas de quête. Est-ce qu'on a... Il y a pas de vent. Non, mais je pense qu'il faut aller tout droit, en vrai. Hein. Comme tout à l'heure. Ouais. Je pense qu'il faut que ça aille. On recule. Non, c'est lui qui... Ah, je sais pas. Non, de toute façon, on peut pas faire grand-chose, là. Non, il y a pas de PVP ici. C'est que du PV, mais ça nous changera pas de d'habitude. Le journal, il est pas mis à jour, non? Magnifique. Ah, le perroquet. Stop, bande d'enfoirés. D'empoté. D'enfoiré. Apparemment, la deuxième quête est vraiment très cool, me dit-on. Oui, paraît-il. On m'a dit aussi qu'elle est très cool, la deuxième quête. Moi, c'était sympa ce qu'on a fait. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Je préfère quand il y a un peu plus d'énigmes. Oh, ça joue de la musique. C'est un peu longué, le script du début de t'avances une porte qui s'ouvre. Elle s'ouvre, hein. Moi, il n'y a pas d'évolution dans mon carnet de quêtes. Oh là là! Oh, regardez en face! Le soleil a changé! Regardez en face! Mon dieu! Waouh, magnifique! C'est l'Amérique! C'est la musique. La musique, trop cool! C'est super bien! Trop stylé, hein! T'es classe! Mais arrêtez de vous mettre devant là, vous gâchez toute la scène. Hein. Bah non, justement, moi c'est très bien. De cette émotion, juste devant moi. Ah. Putain, la zik, elle est énorme. Merci Vadias pour le Prime. Ah, c'est beau. C'est quand même. Avec nos non-roleplay, là, Sutterkin 848, là. Archimède Kebab, en vrai, ça peut passer, moi, je trouve. Bah, JDG, on dirait un nom d'une boîte. Journal du Geek. Le Journal du Geek. Il y a vraiment une. Il y a vraiment un site qui s'appelle comme ça, en fait. Oui. Merci Vulgar Gaming pour les 3 mois. Ah, alors, on va pas aller là-bas, parce que c'était ça ce qu'on avait vécu l'autre fois. Ouais. Non, c'était ghetto. Et c'était un peu... C'était ghetto, oui, c'est ça. Je pense qu'il faut retourner voir la meuf, non? Bah alors attendez, je prends la barre. Attends, je veux voir un truc. Moi, je veux faire la deuxième quête. Moi, oui, bien sûr. C'était plutôt cool, j'ai vraiment envie de la faire. Ah oui, bien sûr, on va faire la deuxième quête, évidemment. On va aller sur l'île, hein. Bah, je crois que c'est l'île... Attends, je vais vous dire laquelle c'est. C'est l'île. Attends. On est où? Attends. On est là. Lone Cove. Ok, il faut que tu ailles, t'es à la barre, Fred? Ouais. Tu vas au sud-ouest. Why? Sud-ouest. C'est quoi ça? Ah, t'as pris la foudre? Cool.
Attends, il y a le... Non, c'est bon. Mon, le compas fait absolument n'importe quoi. Ah bah t'es dans la... C'est normal, t'es... on est dans une... Dans une tempête. Ah, il faut aller à l'avant-poste Sanctuary. Ok, bah écoute, okay, je vais te dire, tu vas bâbord, 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 bâbord. Full bâbord. Ouais. Vraiment bâbord. Bâbord l'éléphant total. Merci Big Mrot pour les 8 mois, merci beaucoup. Ok. Je crois que tu vas à tribord, non? Non, ça va. Tu vas à non, mais je suis en train de tourner. Il faut, faut changer les voiles de direction. Ouais, mais changer les voiles. Bah, attends, moi je reste sur la carte, je regarde un peu ce qui se passe. Apparemment, si vous sortez les, si on sort les guns et les épées, on attire la foudre, apparemment, me dit-on. Ah non, mais vaut mieux que t'aies fini de te tourner avant de tourner les voiles. Mais c'est Breath of the Wild, c'est fou. Bah ouais, complètement. Ok. Vas-y, continue à tourner, et bientôt, ça va être tout droit. Attends, on me dit que les armes à la main... Va tout droit, Fred. Va tout droit. Mais je suis en train. Tout droit, tout droit. Arrête de tourner. Bon. Voilà, c'est... Oh, voilà. Je suis en train de redresser. C'est vraiment tout droit maintenant. Bon. Oula, j'ai l'impression que va falloir mettre des planches peut-être. Ah, le navire, merde, faut réparer. Attends, ouais, okay. Probablement. Qu'est-ce que j'ai cogné? Non, c'est la foudre, c'est la foudre. T'as rien cogné. Je vois pas de fuite. Par contre, faut écoper un peu, je pense. Non, non, c'est la pluie, à mon avis, qui a rempli le... Non, 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 on a pas cogné. J'aime trop ce jeu. Ah. Ah. Si, là, t'es sûr oui. Qu'on n'a pas cogné? Ah, bah, je l'avais pas vu alors, pardon. Excusez-moi. Si, aussi, un peu tribord, Fred. Tribord, tribord, tribord. Tribord, ouais. C'est jeu. Ça lutte. Si, ah, vaut le coup solo, il me tente bien, mais je joue seul. Bah, c'est compliqué à manier tout seul en vrai. C'est bien mieux à plusieurs. Ouais, vraiment tribord, bien tribord. Hein. Vraiment, seul, tu vas à 90 degrés tribord, s'il te plaît. Tu check ouais, un peu, j'essaie de tourner, mais en fait, c'est à cause de la tempête, c'est compliqué. On dit le bois craque quand on est à pleine vitesse en tempête. Ah. Me dit-on. Elle a continué à tourner. Ah. Ah ouais, il y a tout qui se pète là. Je vais... Ouais, allez-y, je dirige Fred. Continue à tourner encore. Hein. Oui, il y a des gens qui disent que tu peux aller sur le Discord de Sea of Thieves FR si tu veux trouver du monde pour jouer, effectivement. Encore tribord, Fred. Ouais. Encore. On continue, continue, parce que là, on vraiment passe alors, à côté tribord, du truc. Hein. Vraiment, on sort de cette tempête, là. Mais tu tournes, là, c'est parce vrai, que tu... C'est vrai que c'est mais dans, tu tournes... Oh, putain oh, putain qu'est-ce qui se passe il a pris feu. Mais t'es pas allé à tribord du tout. Ah, si, c'est bon. Il faut non, c'est bon. La foudre. Oui, je me suis pris la foudre. À mon avis, oh, il y a de l'eau qui remplit la cale. Ouais, faut, oui, faut. Allez-y, allez-y, je dirige Fred. Il faut réparer cette merde aussi, je pense. Ah, que je peux le faire? Je peux pas le faire? Tu me fais chier. Non, je peux pas le faire. Seb, il a changé. Encore tribord, hein, Fred. Hein. Tribord. Ok, ok. Mais toi, vraiment. Je tourne là. Là, normalement, tu le vois si tu regardes à droite, là où on doit aller. Hein. C'est quoi? C'est l'île qui est juste à notre droite? Ouais, c'est ça. Ah d'accord, ok, c'est celle-là donc, ok. Oui, oui. Je peux pas réparer le truc là. Tellement beau ce jeu. Ok. L'avant-poste Sanctuary, c'est là. Ouais, c'est là. Enfin, je sais pas si la meuf elle est là, mais je pense. Ok, on va bientôt arriver, continue okay. À tourner. Continue à tourner. Je vais redresser dans pas trop longtemps. Alors attention, il va bientôt falloir jeter l'ancre, les amis. Karim, tu t'occupes de l'ancre quand je te le dis? Attends. Ouais, attends, pas tout de suite. Attends, je commence à redresser. Attention, et... Attends qu'on soit au bord. Et maintenant. Ouais. Ah ouais, je fais. Voilà. C'est peut-être un peu tard, c'est de ma faute. Voilà. L'atterrissage classique. Excusez-moi. On est arrivé. Ouais, tout à fait. Pardon. Ça va, c'est cool. Putain, il est penché le bateau. Alors, est-ce que la meuf elle est là ou pas? Comment elle s'appelle déjà, où, tu dis? Avec ses quêtes. Je sais pas si elle est là. Parce qu'en fait, c'est. Oh putain, je me suis pris la foudre encore. Ouais, je me suis pris la foudre. Est-ce qu'elle est là quelque part? Ou faut revenir sur l'île sur laquelle on était au départ, mais je sais plus laquelle c'était. Ah non, mais j'ai l'impression qu'elle est pas là au secours. Bois, comme ça, ça risque pas de prendre la foudre. J'ai l'impression qu'elle est pas là, hein.
Si le bois se prend. C'est peut-être pas la bonne île. Oui, bah non. Je pense, non. Merde. Si, elle est là. Tout ça. Ouais, ouais. Ah. Ah oui, elle est là. Tout à fait. Et bah, du coup, faut prendre la deuxième. Le naufrage du Pearl. Celle-ci. Mettez votre couteau dessus. C'est là où il y a le petit coquillage. Vous voulez pas qu'on se retape une cinématique de 20 minutes là? Tu veux refaire la première quête? Allez, mettez votre couteau, il en manque deux. Le naufrage du Pearl, c'est où ça? Le deuxième, là où il y a le petit coquillage. Ouais. C'est bon. C'est bon, tout le monde a mis son truc? Oui, yes. Oui. C'est good! Donc elle va nous parler, je pense. Let's gong. Allez. C'est pas la quête qui bug H24. Vous raconter... Mais apparemment ça a été patch le bug de la quête. J'ai eu ma maladie. Parce qu'il y a Arxas pour les 7 mois. Oh non, le même sort nous attend. Ça a été patch apparemment le bug de cette quête, parce qu'apparemment c'était bien bugué au départ cette quête là. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas. On est toujours dans le monde PVE là, on risque pas de rencontrer des gens? Franchement, je pense pas, non. Je ne sais pas. Et moi, je préfère les énigmes que le PVP en vrai. Moi aussi. Bah oui, mais bon, c'est le petit frisson de se faire. Bien sûr. Quand tu te sens tout perdre. Ce frisson de tout perdre. David Jones. Bah oui, je sais pas quoi. Ah là, il y aura des joueurs là, on me dit. Ah bah voilà. Ok. Après, bon. On n'en croisera pas, quoi. Ah, ils sont partis full méta, donc maintenant Sea of Thieves, c'est... Après, Sea of Thieves, c'est peut-être le nom du monde dans lequel nous sommes. Là, je ne sais pas. Peut-être, probablement. Mais oui, c'est la mer des voleurs. Hein. Voilà. Je pense juste qu'ils n'ont peut-être pas traduit le truc. Où on est, quoi. Pour brander le truc un maximum. Je suis bon en anglais. C'est excellent. Oula. D'accord. Seb, je te vois venir. Je t'entends pas, je te vois parler dans le jeu, mais je t'entends pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'était Michon qui a 20 ans. C'était bien, hein. Elle fait quoi avec son pot? Ah, mais c'est le même truc, d'accord. Ouais. Rire de droite. Ah, c'est Ninon Zef pour les 16 mois, merci beaucoup. Putain, je suis invisible dans mon écran. Vous me voyez là? Oui. Merci madame. On est vraiment dissipé, on n'écoute pas un mot de ce qu'elle dit. Et moi j'écoute tout. Ouais, David Jones, mec. T'inquiète. David Jones, mec. Attends, j'écoute parce qu'il y a de la musique. Prenez ces papiers et étudiez-les. Ah, des énigmes! J'adore. Oh, yes! Il va y avoir du David Jones à foison, là. Il a sa grosse tête. Ok, il y a des nouveaux trucs. Tarin, dis donc. Dans un monde lointain. Dans un monde lointain, par-delà l'horizon. Entre les mains de David Jones. Lorsque le plaisant Jack Sparrow entendit parler de ce trésor, il n'aspira plus qu'à le récupérer. Une fois son précieux trésor volé, David Jones a pourchassé le Black Pearl par-delà les mers où une grande bataille a fait rage. Le Pearl a connu un coup fatal, tandis que son capitaine a succombé à la puissance de David Jones. Son équipage était perdu et désespéré, mais. Il se fait voler la vedette. Sur ses eaux, David Jones ne peut réclamer les âmes des mourants. Dans ce monde, ce pouvoir appartient à quelqu'un d'autre. Mmh. Le plaisant Jack avait sombré loin de tous, mais il subsiste une dernière lueur d'espoir. Le cœur du Pearl repose profondément sous l'eau. Ah! Et pour les profondeurs. Alors, faut d'abord aller. Discovery Reach. Il faut partir de l'avant-poste Plunder. Est-ce que c'est là où nous sommes? Je sais même plus. Non, nous sommes. Non. À... Alors, il faut partir de l'avant-poste Plunder, je pense, dans tous les cas. Ok. Ouais. Sûr? Ah oui, parce que ça nous indiquera le chemin. Ouais. Ça nous indiquera le chemin parce qu'il faut qu'on soit à droite. Il faut qu'on soit à droite de Sharkbait Cove. Ah, ouais. Il y a des chances qu'on se fasse attaquer par genre le Kraken ou un truc du genre parce qu'il y a une ancienne menace oui, refait surface. Bateau. Il y a une sirène là? Ah oui, ça a coulé à cause de l'orage. Il a coulé. Ah, notre bateau a coulé? Oui. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y avait rien dessus. Oui, c'est pas grave, bien sûr. Mais ok. Mais oui, il a complètement coulé. Hein.
Oh, il devrait y avoir un truc pour empêcher ça, par contre. Wow. Quand tu laisses un mec sur le bateau, c'est chiant, quoi. Et il y a une caisse. Attends. Oui, c'était la caisse de munitions que j'avais pris. Il y a même deux caisses, je crois. Mais c'est un joueur qui nous tire dessus, là. Quoi? Quoi? C'est qui, lui? Mais va-t'en. Attends, aidez Seb, je reviens. Bah, je vais aider Seb aussi. Ah, j'ai plus de munitions, hein, il m'a tué, enfoiré, va. Quoi? Vas-y, vas-y, on lui roule ça. Il y a un mec à poil en slip, voilà, qui est... Ok. Il est où, le mec en slip? Le mec en slip. C'est sur les streams, hein. Ah oui, il est là. Il est là. On va le fumer. Fumer. Oh, il m'a headshot. Oh, le bâtard. Ah, putain. Voilà. Mange. Putain, mais il est dur à tuer, lui. Allez. Oh, je suis mort. Il nous a fumé tous les quatre. Ah, il nous a fumé. T'es mort aussi, Fred? La légende de l'homme en slip. La légende de l'homme en slip. Ok. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il nous fallait un navire. Oui, de toute manière, on va repopper. Oui. Oui, il faut qu'on aille à Plunder Valley dans tous les cas. Mais par contre, je lui ai vraiment mis des bastos, quoi. Genre, c'est bizarre. C'est bizarre. Oui, j'ai pas de viseur sur la sniper, c'est un peu chiant. Si, t'as la brisure, enfin la fourrure. Ouais. C'est un viseur, ça. Ouais, ouais, ouais. Là où il y a une croix, en fait, ça fait une croix, en fait. Ouais, c'était ça l'ancienne menace qui aurait fait surface, c'est l'homme en slip. Merci Marlram pour les 7 mois. Alors, où est le bateau? Où est notre bateau? Il est là, le bateau. Et alors, attends, je regarde juste où est-ce qu'on est. Oui, d'accord. Okay. La distance, ça fait rien comme dégâts, ok. Prenez des affaires sur l'île. Parce que du coup, on a perdu ce qu'on avait sur nous, par contre. Yes. Yes. Je vois pas où sont les tonneaux. Au secours. J'aimerais bien qu'il fasse jour à un moment. C'est pas mal. On est à Plunder, apparemment, me dit le chat. Ah, bah attendu. Parfait, du coup. Et elle est là, la madame? Oui, elle est là, la madame. Oui, mais c'est bon, on a déjà pris la quête. Je pense qu'elle est sur tous les avant-postes. Ouais, c'est ça. Mais connard! Ok, très bien. Ah, vous faites pas attaquer par des mecs en slip là, ça va non? Non, 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 tout va bien, tout va bien. Tout va bien, aucun mec en slip. Sea of sleep. Sea of sleep. Sleep of thieves. Ok. Du coup, alors attends, je vais essayer de trouver le chemin. On est bien à Plunder? Oui, on est à Plunder, tout à fait. Du coup, selon le bouquin. Selon le bouquin, je vais regarder, je vais essayer de nous diriger un peu. Merde, comment je fais? Voilà. Le bouquin me dit... Tac, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Voilà. Il faut passer à côté de Sharkbait Cove. À sa droite, Sharkbait Cove qui est là. Donc, il faut passer. Je nous fais le chemin. Ensuite... Merde. Ensuite... J'ai ramassé quelques trucs, j'ai quelques boulets, quelques planches. Plunder Valley doit être à ma droite. Tout à fait. Et All Sal doit être à ma gauche, du coup. Ah non, non, il faut faire comme ça. Tac, tac. Ah, c'est pas mal ce que tu fais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Et Discovery Ridge, du coup, bah là. Et du coup, nous, notre objectif... En fait, je pense que c'est sous l'eau, du coup, parce qu'il avait dit que c'était sous l'eau. Hein. Et je pense que ce sera plus ou moins... Bah, après ma série de petits ronds, là. Juste ouais. Après, genre là. Peut-être alors, un peu avant, genre là. Y a des... Une ancienne menace refait surface, ça veut dire que sur la route, on va avoir... Je pense qu'on va se faire attaquer, oui. Il y a des chances. Okay. Oula. Okay, je pense que nous allons nous faire attaquer. Je pense que... boulets, Je pense que c'est là, par ici, le truc. Ok. C'est de mon camarade. Alors, je vais... Je vais piloter. Ça serait bien que quelqu'un reste plus ou moins à la carte, histoire de me dire si je fais le bon chemin, parce qu'il faut vraiment que je pense qu'il faut que je passe vraiment par le bon chemin. Ok, il faut lever l'ancre, et on peut y aller du coup, ouais. Les gens sont dans la bonne position. Bah, lever l'ancre, je vais à la barre. Merci Sir Percedal Saldi Glove, Grove, pour le Prime. Je mon bateau, ça. Là, hop, merci le Thalys pour les 3 mois. Estaifa pour les 4 mois, merci beaucoup. La bouffe, c'est là. Allez, c'est bon. Ah oui, il y a un truc là-bas. Il y a un gros faisceau bleu là-bas. Mais bon, je pense pas que ça ait de rapport avec ce qu'on fait ou je... Je vais monter à la vigie pour observer. T'as vu le gros faisceau bleu à gauche, Fred, à bâbord? Ah non, je monte à la vigie. Il y a plein de putain. Cercles sur la map. Voilà. Mais c'est moi qui les ai mis, c'est moi qui les ai mis pour faire le chemin, c'est le chemin. Ok, très bien. Tu peux me dire le chemin d'ailleurs, s'il te plaît, par où je dois passer là?
Il faut aller ben là c'est bâbord. Bâbord tout. Oui. Voilà. Non, c'est... Bah c'est peut-être là-bas qu'il faut aller en fait, hein. C'est peut-être le faisceau là-bas en fait où il faut aller. Ouais, me dites pas dans le chat. Lost Gold Fort. Ouais, mais en fait, vu que je ne sais pas où est-ce que c'est, va falloir que tu me diriges. Il y en a que deux, hein. Sur le... Mais c'est entre les deux qu'il faut passer, donc là c'est Babord. Ok. Tu me dis quand je reviens tout droit. Et les copains Babord, les copains Babord. Les copains Babord. Les copains Babord. Non, ce n'était pas le radeau. Tu vas redresser dans 10 secondes. Tu redresses maintenant. Et c'est tout droit. Vas-y. Ah, mais c'est vraiment. Il faut vraiment aller au faisceau lumineux là-bas en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Je pense que c'est ça. Ça doit être ça, à mon avis, ouais. Je trouve ça con, le jeu nous indique aussi. Ah, bah ouais, c'est dommage. Attends. Parce que moi, j'aime bien le fait que ce soit une énigme. Non, ce n'était pas le radeau. C'est un peu trop, c'est par là, effectivement. De la méduse, ce bateau. Ah, je te l'ai mise dans la tête. Ouais, c'était. Garougouri. Garougouri. C'est quoi, c'est la version? C'est Louis Jack, ça. Pour les 9 mois. Ça parle de sexe. Oula. Ça parle de sexe. Bah, tu peux retirer les motoniers et les slippies, t'inquiète. Là t'es bon Coco, moi-même. Ouais mais garde le cap jusqu'au bout, hein. Normalement c'est bon. T'es bon Coco? Ouais Coco c'est bon là, tu pars... Allô Luc. Quoi? Tu passes en... Alors j'ai un bug sur mon chat juste Twitch. Juste à gauche de... J'ai un bug. Juste à bâbord de All Souls. Ah, c'est bon? Ah voilà. Des opticiens. Les gros petits chiens. C'est tout droit? Tout droit. Ok, tout droit. Ok. Yep, bon, on est bon là. Peut-être très légèrement 5 degrés sur tribord. Ouais, tu me dis, là c'est pas mal là. Est-ce que les canons sont chargés tout encore un petit peu. Check ça. Encore un petit peu. Check ça. Et là, Fred, dis-moi. Ouais, c'est bon. Je vais tout droit. Ouais. Tout est chargé, tout marche bien, navette. C'est bon. Ah. Là, ah oui, c'est le fort d'à côté, d'accord. J'ai jamais fait, c'est fort là. Moi je l'avais déjà fait, mais c'était il y a longtemps. On le dépasse là, on est déjà loin. Let's gong. Voilà. Je suis Kirin pour l'année. Comment? Bâbord un peu? Faudra juste éviter le... Ok, il y a une... Il y a une sloop sur place. Il y a un sloop? On le fume? Ouais, il y a une sloop sur place. Sloop Doggy Dog, qu'est-ce qu'on attend? vous devriez charger les canons. Moi je reste au volant. Tout est bon. Je reste au volant. Ah, c'est pour Gojira pour les 5 mois. Volant. Ok. C'est parti. Super nom de barre, hein, franchement. Bien 10 degrés sur tribord. Allez, 10 degrés sur trib. Un petit trib. Tous les canons sont OP, hein, y'a pas de soucis. C'est peut-être Slipman, là. Slipman. Oh non, c'est pas Slipman. Slipman. Notre pire ennemi. Slipman. Comment on se retrouve? La terreur des mers. La terreur des mers. Il est tout droit, c'est bon. Undermare. Je suis un pro de la barre. Un pro de la barre, là. Qu'est-ce que c'est beau? C'est vrai. Magnifique. Il ne lasserait jamais de cet océan. Dommage que Atlas ait foiré son gameplay piraterie. Hein. Surtout, c'était moche. Ouais, le trailer, c'était bullshit de ouf. C'était abusé. De quoi? Le trailer, c'était abusé de... J'avoue, les voiles, là, c'est un peu n'importe quoi, messieurs, là. Regardez ces voiles, là. Ah bon, mais pardon, on peut pas les avoir, on a le vent face à nous. Est-ce qu'il faut... Oui. Oui, le vent, effectivement, le vent est face à nous, tout on à fait. On a le vent full face. Ouais. Tu vas contourner, il y a un rocher, tu vas pas bouger, tu vas continuer tout droit. Ok, va falloir que je tourne bientôt, non? Tu vas t'orienter très légèrement à bâbord, tu vas mettre 5 degrés sur le bâbord. Ok. Ils ont rajouté des succès, mais t'as des succès tout le temps. T'as des succès tout le temps dans le jeu, maintenant. C'est bon, tout droit, hein. Ok.
Le terme nautique pour un rocher, c'est un caillou. Très bien. Alors, la sloop est sur place et nous attend, hein, par contre. C'est pas impressionnant du tout. C'est sûr que c'est un sloop, là. Elle est clairement à 10 mètres de là où on veut. Ah oui, oui. Ah. Je suis de retour dans une seconde, bougez pas. Oui. Quelqu'un peut me diriger, s'il vous plaît ? Par rapport à la carte ? Tu tournes un peu à tribord, 20 degrés sur tribord. De toute façon, faut qu'on aille à la lumière bleue, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est pas difficile. Après, je la vois pas trop en face de moi, mais... Putain, j'espère que c'est pas Slipman. Il aurait été très vite pour aller là-bas. Déjà, de retour après, moi j'ai pas peur, hein, Slipman, on va le... T'as pas peur de Slipman, mec ? T'es bien le seul. J'ai pas peur de Slipman, mais... Ok. Effectivement, il y a un sloop là-bas. Ça n'augure rien de bon. Avec son slip dans sa sloop. Et ça fait slip, slap, sloop. Son slip dans sa sloop. C'était la version uncut du dernier épisode. Il chantait pas Weshden au départ, Seb, il chantait... Ouais. C'est vrai ? Il y a une version où il chante... Oh, on a les insides. Les insides. On va sniper, Snipman. Est-ce gong ? Ok, là tu vas sur un rocher, tu vas aller vers tribord de 15 degrés. Ok. Ah oui. Oh, la musique. Ok, tout droit maintenant. Oh, la musique. Fais gaffe, il y a pas mal de petits rochers. À moins que le navire, c'est aussi une possibilité que le navire, ça soit un truc à retrouver qui a un rapport avec la quête. Je ne sais pas. Il est quand même drôle. C'est possible. Après, je pense que le truc est sorti il y a pas très longtemps, donc il y a beaucoup de gens qui le font, je pense. Hein. C'est possible aussi. Oui, mais tout après, est-ce que c'est forcément le même endroit ? Je ne sais pas. Tu vois. Là, du coup, c'est bon. PVP. Hein, c'est... Là, c'est normal. Là, le jeu est normal. Fais gaffe, ouais, c'est risqué. Il y a des rochers. T'inquiète, je les vois, les rochers, je les vois, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas, je gère la situation. Je gère, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Ok, tu redresses maintenant. Tout va bien, ne t'inquiète pas. 10 degrés sur bâbord. T'inquiète. T'inquiète, je gère. La vigie, c'est mon boulot, merde. Pardon. Excuse-moi. Si, c'est trouille. Ok, bah voilà. Ok, tout droit. J'ai tellement envie de se baigner, quoi, cette flotte, c'est ouf. T'es en plein dessus. Ouais. Ok, le... Attends, mais j'arrive où le navire cool. Le sloop cool ? Peut-être c'est moi qui arrive. L'autre ou... Non. Nous, on a un galion. Non, il coule pas du tout. Il est vraiment à l'arrêt là-bas. C'est juste des bugs de texture, en fait. Il est vraiment à l'arrêt là-bas. Ok, tu vas aller... Tu vas aller tout droit, tu bouges pas. Ouais, je vais tout droit. On y arrive, on y arrive. Donc il y a des bugs de texture, je peux le couper en deux le navire. Slipman en vue. Je sais pas si c'est... Attention, on va passer, on y arrive là. Qu'est-ce qu'on fait, on le défonce ou quoi ? Mais attends, est-ce que c'est vraiment un joueur ou pas ? Il remonte ses voiles, non sloop, mais c'est ça. Non, ouais, il slip dans sa sloop. Mais il y a une sirène à côté de son bateau. J'aime pas trop ce qui va se produire. Moi, je sors le gun. Préparé à jeter l'ancre. Vous remontez les voiles comme vous le sentez, vous décidez. Merci Space Flux Monkey pour les 2 mois, merci beaucoup. Vous me dites au top pour lancer. Bah moi je suis à la barre donc c'est pas moi qui vais te dire top. Seb, tu peux me dire top pour jeter là. T'es pas obligé de dire top, tu peux utiliser le mot de ton choix. Ouais mais tu veux t'arrêter à côté de lui Ah mais y'a un mec là, attends, y avait quelqu'un dans l'eau. Je crois que ça fait partie de la quête. C'est bon. Qui ça? Y'a un mec dans l'eau là, à notre droite. Y'a un gars avec un tonneau explosif. Quoi? Mais faites un truc. Défoncez-le. Putain, il est loin! Bim! Dans ta gueule! Ouf! Oh là là! Jetez l'ancre ou pas? Non, on jette pas l'ancre. Pas maintenant. Pas de sniper, attends, un sniper, je peux le fumer avec ça. Ah putain, rien, c'est activé! On n'a pas pris mass damage? Enfin, c'est clairement quelqu'un. Hein. Je sais pas. Ah ouais, c'est des vrais gens, c'est des vrais gens. Attends, on a pas des trous dans la coque, je vais aller voir ça tout de suite. Je pense que si. Hein. Oui, bien sûr que oui, évidemment. I got a hole in my cock! Hey. Alors,
Go le canonner, hein. Attends, mais go le canonner, les amis, c'est un sloop, ça se défonce en deux-deux. Attends, on vire... j'ai pas de planche. On colmate pour l'instant. Ah, the bee. Non mais en fait, faut qu'il y en ait deux qui soient au canon et un qui colmate. Et moi qui pilote. Vas-y, je m'occupe des planches. Va au canon, toi. Je vais au canon. Je vais au canon, justement, j'ai des boulets. Chargez-vous bien en boulets. Je sais pas si je peux le toucher de là. Tente. Très en hauteur. Ils sont où ces flibustiers là, je les vois pas. Là ? Allez ! Ils sont à tribord. Ah non, pas du tout. Non, vraiment, là, trop loin. Après, le truc, c'est que le sloop est plus rapide que nous, hein, forcément. Bien sûr. Ah, ils faisaient leur quête pépouze. Ah oui, mais bon, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Hein. Fallait pas la faire en même temps que nous. Hein. Dans tous les cas, c'est nous qui allons nous faire défoncer. Hein. I have a hole in my cock. T'as bien aimé ça. Ah, mais il se barre. Qu'est-ce qu'on fait? On le poursuit ou on le poursuit pas? Comme vous voulez. Non. Vous les éclatez comme des pleutres. Non, mais dans tous les cas, ils iront plus vite que nous. Babord. Non, mais vas-y, on fait la quête, ça a l'air cool. On fait la quête? Ok. Bon, bah, c'est ici qu'il faut qu'on s'arrête alors. Faut qu'on s'arrête ici. Bah, sinon, vous savez, on peut leur parler, hein. On leur demande leurs intentions et puis. Je drop l'encre. Y a eu un bruit. Attendez. Quelqu'un a la macro pour parler Non. Attendez, y'a un bruit, hein. Y'a une musique bizarre, hein. Y'a un drift là. Alors attendez. Y'a deux bateaux derrière. Ouais, mais je pense que c'est parce que c'est là qu'est la mission, donc les gens ils s'y retrouvent. Ah non, mais surtout, y'a un bateau de PNJ avec le bateau oui. Pas de PNJ. Effectivement. Y'a une sloop et un bateau de. Écoutez, je vais dans l'eau et je vais voir ce qui se passe, ok? On est très, très loin là du navire. Faut peut-être se rapprocher un peu, non? Vous voulez qu'on se rapproche? Un peu parce que là c'est vénère. La sloop est en train de se barrer, la sloop est en train de se barrer, elle a sorti les voiles donc. Bon bah remontez. Y'en a un qui a coulé là. Quoi? Y'en a un qui a disparu là, qui a coulé. Il est peut-être derrière le rocher. Moi je vois plus. Ouais, il était en pleine mer. Je suis en slip dans ma sloop. Ne m'aidez pas surtout. Prenez bah, moi je suis à la barre, Je surveille là. Attends. Bon, attends, je vais t'aider. Non, mais c'est bientôt fini. Non, mec, c'est grâce à moi. Voilà. C'est bon. Du coup, c'est juste à droite. Mets-toi tout droit. Ok, va falloir bientôt jeter l'encre. Va un peu à bâbord. Je jette l'encre maintenant. Oui. C'est juste à gauche, on voit les débris. Ouais. C'est à bâbord. Ouais,